Salut! Yo les gars, ça va? Si jamais j'entends rien. J'espère que tu m'entends, sale connard. Vous lui direz pas, j'ai insulté le connard, Vivi. Personne ne lui dit, bande de poucave. Ça va les gars? Ça va Break, la forme? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu Break. Ça a ploué. Attendez, je finis mon petit yaourt là. Je me régale. Ça se régale un coup là. Voilà. Ploé, tu vas te prendre 30 minutes de ban, sale connard. C'était vraiment une poucave. Mais bro, tu t'excuses, Break, t'as pas à t'excuser. Au contraire, si t'as pas le temps, tant mieux. Ça veut dire que t'es occupé, que tu fais pas des choses pour toi, tu penses à toi. C'est cool. Tu fais quoi de bon en ce moment, frérot? Ça raconte quoi, bah, oh là là. Les gars, j'ai plein de choses à vous raconter là. Plein de choses à vous raconter. Suis allé au bassin des Lumières cet après-midi. Non, j'ai dit cet après-midi comme un con. C'est quand que j'y suis allé? Dimanche! Dimanche, je suis allé au bassin des Lumières. Je sais pas si vous connaissez. Salut Capi, ça va? Le lycée, ça se passe bien, hein, Break? Beaucoup de devoirs en ce moment, non? Du coup, ouais, je suis allé au bassin des Lumières. J'ai regardé l'exposition de Tintin, les gars. J'ai regardé l'exposition de Tintin. Ça dure 30 minutes, les gars. C'est une dinguerie. C'est trop bien. J'aime vraiment. Putain, il n'y a pas de la bonne musique là. On va mettre ça. Voilà. C'était un peu hardcore là pour un début. En gros, genre, c'est une base sous-marine, les gars. Genre, c'est une base sous-marine qui a été transformée en endroit touristique et il y a des spots partout. Et pendant 30 minutes, t'as un film. Mais juste avec de la musique, c'est un film illustré sur les murs de la base sous-marine. Et tu te déplaces et t'as le film et tout, machin et tout. C'est incroyable, c'était incroyable. J'ai fait quelques petites photos sur Insta, s'il y en a qui veulent aller checker. Mais vraiment incroyable, j'ai trop aimé. C'était une super expérience. On est allé au resto aussi, on est allé dans un resto, on a mangé pizza, c'était vraiment super bon. C'était vraiment trop bon, j'ai trop aimé. Non, franchement, ce week-end, les gars, ça m'a ressourcé, ça m'a fait du bien là de sortir un peu de la routine. Ça fait trop plaisir. Vas-y, ça marche, t'inquiète, Break. Bisous, mon ref. Bon courage pour tes devoirs et tout le bordel. Salut, Bouchik, ça va? Je sais pas si t'as vu, Bouchik, j'ai publié un taille M, Ralph. Byron, j'ai une question. Dis-moi, Eliane. Dis-moi tout, Eliane. Juste pas ma cam, ça marche. Après, j'ai énormément de trucs Ralphlauro à publier, juste je les publie pas, je les envoie pas, j'ai la flemme. J'ai beaucoup de pantalons Ralphlauren en vrai. J'ai des pantalons Ralphlauren, j'ai beaucoup de polos et de chemises, mais ça je garde pour cet été. Comment on change les persos en bas de toi? T'es sur téléphone ou sur PC, Enyan? Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Bien joué, Ploé. Plover. Sur téléphone, normalement, tu sais, en bas du chat, t'as un icône avec trois petits points. Tu cliques sur cette icône-là et normalement, t'as un icône où il y a marqué SA. Normalement. Hello the mat! Comment ça va? Ça va, Vivi, au fait, qu'est-ce que tu racontes de beau, toi? Merci, Vivi. Ouais, mais c'est ça. C'est ça, les gars. Vous avez de la neige chez vous, les gars? À Skip, ça neige partout là en ce moment. J'ai le chat là en dessous de moi, là, je sais pas ce qu'elle veut. Je crois qu'elle veut à bouffer. Mais en fait, ce qui me saoule, c'est que le chat là,
Il a à manger dans la gamelle, mais il mange pas tant que je lui en remets pas. Genre, je lui en remets, il mange. Le problème, c'est qu'après, mais ce que je lui ai mis et qu'elle a pas fini, ben ça. Elle le finit pas, quoi. Ça va, Zomad, qu'est-ce que tu racontes de beau? Comment ça se passe là, les inondations? Ça va mieux chez toi? Et toi, Vivi, tu racontes quoi de beau? Salut Nilroom, c'est mon compte mobile. Tu changes de compte tous les mois ou quoi? Non Mimi, non. Mimi, tu chiantes. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais Mimi? Elle a pris un poil d'hiver les gars, elle est trop belle. Mais qu'est-ce que tu fais? Elle s'est bloquée. Voilà. Mais arrête de te bloquer, c'est pas possible ça. Elle fait ses griffes sur la chaise et elle se bloque, elle est con quoi. Juste à côté de là où on sent les messages du chat ou pas. Oui, Eliane. Teste, tâtonne un peu. Teste un peu. Check un peu l'interface. Non, j'ai mon compte PC et mobile parce que j'ai un problème sur mobile. Comment ça, t'as un problème sur mobile? Elle est trop bien cette musique, elle est trop bien ce son. Bon les gars, en tout cas moi j'ai passé un putain de week-end. Vraiment, week-end de fou. Entre le resto, la famille à voir un petit peu. Et comment on appelle ça? Et le bassin des lumières, c'était top. C'était vraiment top. Cette année, là, j'aimerais trop me faire une convention là sur Bordeaux là. J'aimerais voir un peu les conventions sur Bordeaux qu'il y a. Convention Bordeaux 2024. J'aimerais voir ce qu'ils ont un peu là sur Bordeaux. Agenda convention. J'aimerais bien faire genre un truc de voiture et un truc de manga ou jeux vidéo cette année. J'arrive pas à activer mon compte PC sur mobile. T'as dû oublier tes mots de passe, toi. Oui, ça baisse pas mal. Bon, c'est cool, c'est cool. Thomas Tireba a claqué son prime. Let's go! Merci Zomat, merci pour ton prime. Merci mon gars. Merci beaucoup pour ton prime. 19 mois. J'ai pas oublié pour me raser la moustache, hein. J'ai pas oublié. T'inquiète, hein. C'est juste que elle était petite, donc du coup j'attendais que ça pousse un peu, sinon c'était pas du jeu, quoi. Vu que je m'étais rasé récemment. Donc attends, on est quel jour? On est mardi. Allez, je me la rase demain soir. Je me la rase demain soir en stream. Je vais mettre un message sur Discord. Demain soir, je me rase la barbe. Non, la moustache, pardon. La moustache en live. Salut Norak, ça va et toi? T'as entendu du coup le nouveau son du Prime, Zomat? J'ai mis Transformers, les gars. Pour le Prime, pour Optimus Prime. Je sais pas si vous avez capté, t'as capté. Kerune, elle a l'air de sub. Arrête, elle est trop bien, elle a l'air de sub. Transformers. C'est le Prime, Optimus Prime. Alors attends. Convention manga Bordeaux 2024. Le Bordeaux Geek Fus Festival. En 2024. C'est quand? Y a pas l'adresse? En mai 2024, Noupi. En mai 2024. C'est bon, t'as pu changer, Iliane? La musique, elle est pas trop forte, les gars. J'ai eu un entretien avec mon prof ré référent de la région qui m'a dit que j'avais large la place dans le métier. Alors que je suis pas encore diplômé. Bah, ça veut dire que t'es bon dans ce que tu fais, Zomat. En vrai, t'es content ou pas de ce qu'il t'a dit? Genre, ça refait. C'est grave cool.
Moi, vraiment, je te souhaite de réussir dans tes projets de fou, hein. C'est grave bien. Et en fait, au niveau du resell, toi, t'en es où, The Mat? Ça stagne, ça avance, ça abandonne, ça fait quoi? Ok, Bordeaux Geek Festival, c'est en mai. Animasia 2024, Bordeaux. C'est quand? Le 12 et le 13 festival de l'Animasia. Le 12 et 13 octobre, ça tombe quand? Le 12 et 13 octobre. J'aimerais vraiment faire des conventions cette année. J'ai envie de faire ça cette année. Le 12 et 13 octobre. Février, mars. Il y a ça là, le 12 et 13 octobre. T'es toujours sur Bloxfree ou pas? Non, parce que mais, je suis niveau max, j'ai tout fait, donc du coup, c'est. Ça sert à rien. Ça sert à rien que j'y retourne, tu vois, pour le moment. Ok, août, septembre, octobre. C'est quand? Le 12 et le 13 octobre. 12-13. Événement. Du 12 octobre. Non, pas le 30 septembre. Octobre. Le 12, ça tombe un samedi. Samedi 12. À genre, je sais pas moi, 6h. Jusqu'au dimanche 13. À genre, 18h. Et je mets Festival Animasia. Ok, les gars. Le 12 et 13 octobre, je vais essayer d'aller au Festival Animasia. J'aimerais vraiment faire ça cette année. Donc je l'ai ajouté dans mon agenda pour le moment. Ça avance pas trop et je m'investis plus car ça part pas. Après ça dépend de ce que tu vends. Tu vends quoi en ce moment, The Mat? Je sais pas si je me mets à regarder One Piece. Mais regarde Neil Room, c'est trop bien One Piece. D'ailleurs moi je suis en retard de fou mec. T'as tous ces dégâts sous le guitare. Ouais, j'ai tout Norax. J'ai tout. Tu sais qu'il y a plein de nouveaux fruits, il y a un fruit Kitsune qui est plus rare que le léopard. Ouais, mais tu vois, les fruits, ça m'intéresse pas trop, tu vois. Parce qu'un fruit, c'est une utilisation, tu vois. C'est pas un truc que tu as tout le temps, sauf si tu payes. Moi, tu vois, ce que je cherchais à avoir, c'était juste les items principaux, tu vois. Les choses dont j'ai besoin pour être juste niveau max et découvrir les nouvelles zones. Là, on a découvert les nouvelles zones la dernière fois, tu vois. J'ai tout rush et voilà. Le reste des polos. Les polos, garde-les pour cet été, ça sert à rien. Moi, je vends plus de polos. Deux paires, des paires de quoi? Maillot de foot, les maillots de foot c'est pareil, faut attendre printemps, été pour que ça reparte. Les polaires par contre c'est pas normal que ça part pas. Reload t'es... Bah, parce qu'en fait le problème dans le resell de vêtements, The Mat, c'est que t'es obligé de faire un stock été et un stock hiver. Il y a même une nouvelle arme. Si tu me parles de l'arme Terror Shark, je l'ai, Nilroom. Et si tu me parles de l'arme de Kitsune, elle sert à rien en dehors de ça. Il n'y a pas de saison pour les mindfoot. Ouais, mais tu vois, de ce que j'ai compris et de ce que je discute avec énormément de resellers, ça se vend beaucoup mieux en printemps et été parce que justement, les gens veulent s'acheter des maillots pour sortir faire des foot avec leurs potes. eBay, ça se trouve nouvelle solo. Je sais pas, j'en passe sur eBay. T'as testé le bon coin ou pas? Ok, Festival Animasia, c'est bon. Convention automobile. 2024, Bordeaux. Il y en a ou pas? Ah, le salon auto. Salon auto, Bordeaux 2024. Ça, j'aimerais le faire. C'est un salon camping-car, mais je m'en bats les couilles. Salon automoto. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le salon automoto. Salon automoto. Mais c'est quand? T'es pas à niveau max maintenant, ils ont même rajouté le niveau 2550. Ah, je suis niveau 2550, Nilroom. Je suis niveau 2550. Depuis la première partie de la mise à jour.
Le 17, 18 et 19 mai au parc des Expos. Ok, let's go. Ok, c'est en quoi? C'est en mai. En mai, les gars, je vais là. Wesh. En mai, je vais là. Ok, janvier, avril, mai. Le 17, 18 et 19 mai. Oh putain, en plus. Non, Pentecôte, ça... les gars, ça tombe un dimanche. C'est de la merde. Alors, le 17 jusqu'au 19 de 6h. Putain. De 6h à 18h. Et là, je mets Salon Auto Moto Bordeaux. Du 17 au 19, c'est bon. C'est bon, j'ai rajouté ça, les gars, mon planning. Je me suis rajouté deux conventions. Cette année, j'ai envie de faire ces deux conventions-là. Et j'ai envie de faire vraiment ces deux conventions. C'est, j'ai envie de faire des choses cette année-là. De vous filmer des choses. Ça change rien, j'arrête pas de dire que je vais aller sur Amazon, mais j'ai jamais le temps. Si je vais aller chez toi, c'est 7 heures de route et 6 euros de péage. Mais frérot, ça vaut pas plus le coup que tu prennes le train? Est-ce que t'as un nouveau style de combat sur Sanguine Art? Oui, je l'ai. Je l'ai, Nilroom. Je l'ai terminé ce style de combat-là. Je l'ai fait, t'inquiète pas. Ah, 65. 65 euros de péage. Bah, à ce prix-là, autant prendre le train, frérot. C'est une dinguerie. En vrai de vrai, à ce prix-là, autant prendre le train. Bon, moi, je suis content ce week-end. Ce week-end, dimanche, je fais un vide-grenier. Je vais exposer pour la première fois de l'année. C'est grave cool. Et week-end prochain, je vais chiner un vide-grenier sur le bassin. Je redescends voir ma famille. Et j'ai en profité avec un pote, on va chiner un vide-grenier, je suis vraiment content. C'est vraiment cool. 30 millions de bounty, non, j'ai pas, ça sert à rien, je suis pas un joueur PVP, je suis un joueur PVE, Norax. Ça sert à rien, frérot, pour moi. Ça m'apporte rien. Honnêtement. En vrai, The Match, je te jure, hein, si un jour tu veux venir, moi, y a pas de souci, mais. Ça vaut plus de limite, plus le coût de faire soit du covoit, soit du train, quoi. 66 euros l'aller en train pour 7 heures de route aussi. Ouais, mais du coup, tu payes pas l'essence. Alors que rien que le péage, frérot, en voiture, c'est 65 euros, t'imagines? Genre, c'est plus rentable, limite, de faire du train, quoi. Je voulais voir s'il n'y avait pas une figurine pop de Shanks. Je vois quoi le coup sauce. Ouais, t'as des figurines pop qui coûtent plus cher que d'autres. Par contre, là, j'ai publié sur Vinted, les gars. J'ai publié 4 articles sur Vinted. J'aurais jamais dû les publier maintenant. J'aurais jamais dû. Pire erreur. C'est une dinguerie. Je les ai publiés maintenant. J'aurais pas dû. Nique sa mère, j'arrive à pied. Vas-y, à l'année prochaine, frérot. À l'année prochaine. On se revoit dans une décennie. Bon, 19h04, les gars. J'ai pris un peu de nouvelles et tout. De toute façon, on continue à discuter, hein, il n'y a pas de souci, hein. Mais en même temps qu'on va discuter, je vais lancer Pokémon. On va aller sur Pokémon Steam. Si tu veux changer le titre, The Mat, il a la catégorie, tu peux. La catégorie Pokémon Steam et en titre, tu mets ce que tu veux, frérot. Si jamais tu le peux. Ok, ça va jouer à Pokémon Steam. Dans la semaine, j'aimerais caler un Fall Guys. Dans la semaine, je vais essayer de caler un Fall Guys là. Ben tiens, demain soir, quand je vais me raser la moustache. Demain soir, je vais me raser la moustache et je vais faire du Fall Guys, tiens. On va faire ça. Ça marche de maths, pas de soucis, c'est gentil. Ok, Pokémon Steam. Je lance.
On va cut la musique. Et puis je vais jouer chill de toute façon. Hop, Pokémon. Let's go. Demain, j'ai course d'orientation sous moins 2 degrés, c'est cool. Bah, c'est grave cool ça, frérot. Ça va être incroyable ta course d'orientation. Vous allez congeler sur place en fait. Putain, je sais plus ce que je devais faire ici. Je sais plus du tout. Non, mais moi, sport, je me souviens, ça me pétait les couilles. Sport, ça me pétait les couilles quand c'était l'hiver. C'était vraiment le truc ça me gonflait les couilles. Je détestais. Ah oui, on est à Taz là! Et je crois qu'on venait d'y arriver et j'ai pas fait l'arène. Un Dracaufeu s'attachera plus à son dresseur si celui-ci s'en occupe depuis qu'il est un Salamèche. C'est le maître qui me l'a appris. D'accord, mon refton. Ah tiens, on va aller le battre lui. Allez, c'est parti pour le premier duel. Pendant que mon pote en école de gendarmerie bouffe de la boue sous la neige à Chaumont. Ben frérot, ben force à lui. On n'est pas du tout ensemble. Non, en vrai, tous ceux qui font les écoles militaires, gendarmerie, police et tout, putain. Eh, grosse force. Hein. Grosse, grosse force. Hello Gwen, comment ça va? Oula, oula, oula. L'autre, il est en train d'augmenter son attaque là. Ou je sais pas quoi. Ça me fait peur. En fait, les figurines pop One Piece, elles coûtent un peu cher. Ça dépend lesquelles, comme je t'ai dit, tu sais, y en a, elles ont des cotes et tout. Ok, ma one shot, c'est super. J'adore. C'est un Pokémon de type insecte. Normalement, si je prends SpaceX, je lui pète la gueule, non, avec ce pied brûleur. Ben voilà, c'est one shot, j'aurais dû juste changer depuis le début. Comme un connard. Un Magirève! Non, je garde. Magirève, ce Pokémon, il est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça va, Gwen, qu'est-ce que tu racontes de beau? Et moi, The Mat, dimanche, vu que je vais en brocante, je vais exploser, frérot. Toute la journée, il va faire moins, je sais pas combien. Je vais me geler les couilles, frérot. C'est la même. Ouais, c'est quoi ça? Ludico? L'eau. Ce Pokémon me dit un truc. C'est pas l'évolution de l'autre là, on dirait une fleur d'étang. Je sais plus comment il s'appelle. Putain, ça XP bien ça. 7200. Ok, parfait. Un dresseur de moins. Ok, d'accord. Bon, on va aller soigner les Pokémon là. Ils sont un petit peu en PLS. On va les soigner, les frérots. Rien de spécial à part qu'on attend la neige, lol. Mais oui, putain, mais de ce que j'ai compris, il y a beaucoup de monde chez qui ça neige. Moi, ça neige pas chez moi. Enfin, soi-disant, demain, ça devrait neiger. Mais pour le moment, on est sur du rien du tout, quoi. Un Staros, oh putain. Vas-y, plénitude. J'ai envie de voir ce que ça va donner contre ce type de Pokémon. Putain, mais il est con, il a utilisé les soins alors que ses PV sont au maximum. Mais il est trop con. C'est quoi ce Staros là? Ok, je l'ai pas one shot, c'est parfait. Sac, est-ce que j'ai des. Putain, il me reste 23 Super Balls. Chalon en Champagne, il neige et c'est à 45 minutes de chez moi. Alors peut-être un réveil avec de la neige demain, on verra bien. Bah écoute, je te le souhaite parce que ça a l'air de te plaire et tout. Je sais qu'il y en a, ils détestent la neige. Hop, Staros attrapé, let's go, un Pokémon de plus. Non, pas de surnom, c'est bon. The Spymat, level up. Voilà, on est bien. C'est quoi ça? Toutes les zones publiques doivent être protégées. D'accord. Bonjour et bienvenue au centre commercial de Tazla. Ah ok, on va parler à tout le monde parce que parfois ils donnent des choses les gens. On sait jamais. C'est surtout pour les enfants. Ma fille a jamais vu la neige et jouer avec, etc. T'es jamais parti à la neige avec tes enfants, Gwen? Reste ici pour surveiller si les clients ne font rien de louche. Ok, qu'est-ce que tu vends, frérot? Des hyperboles?
Les hyper potions, des rappels. Ok, on va regarder ce qu'on a dans l'inventaire. Sac. Hyper potions, j'en ai 18, ça va. Rappel, j'en ai 26, ça va. Les super balls, je suis bien, donc c'est bon, pas besoin. Poké poupée. Une poupée qui attire les Pokémon permet de s'enfuir d'un combat contre un Pokémon sauvage. Une pierre étrange qui fait évoluer certaines espèces de Pokémon, elle est rouge comme le soleil couchant. Ok, donc ça... Ah, mais c'est les pierres pour évoluer. Pour évoluer, pardon. C'est les pierres pour évoluer. Et t'aimerais pas partir à la neige avec tes enfants, du coup? Il y a vraiment plein de choses à se acheter dans ce centre commercial, oui. Oui, frérot. Je vais lancer un live TikTok en parallèle. Je vais lancer ça. Peut-être que ma caméra va bugger. Peut-être pas, j'espère pas. Alors, je vais lancer TikTok Live Studio parce que, en plus de ça, Gwen, c'est toi qui m'y as fait penser parce que la dernière fois tu m'en avais parlé. C'est il y a longtemps quand on était sur. Sur Cuphead. Putain, ouais, cool. 650 followers sur Instagram. Let's go! Allez, YouTube, on a combien? Lancez TikTok Live Studio. 896! Et bien dans 4 follow sur YouTube, on dépasse les 900. C'est cool. Connecte-toi pour commencer. Utiliser un code QR. Alors, il faut que j'aille sur TikTok. Ensuite, je vais dans paramètres, mon code QR. Parfait. Confirmé, on autorise. Code QR scanné, parfait. Alors, ma cam a bugué, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ça, je vais le mettre là. Ma cam revient. Dans 3, 2, 1, voilà, je suis de retour. Donc, maintenant, ce qu'il faut que je fasse, moi. C'est clic droit. Projecteur fenêtré. Voilà. Ensuite, je vais sur ça. Ensuite, je vais là. Et là, je crois que si je fais projecteur fenêtré et projecteur fenêtré. Voilà. Alors. Par contre, il va falloir que je sorte du centre commercial. Pour que ce soit plus agréable. Ah ouais. Faut que je mette au mid. Putain, faut que je baisse en fait. C'est une dinguerie ça. Faut que je baisse encore. Excusez-moi, je suis en train de régler là. Voilà, parfait. Ça c'est bon. Ajouter un sujet. Jeu vidéo, ben, je vais mettre Pokémon et ouais, on va mettre Pokémon écarlate et violet et puis let's go. Voilà, c'est parti. Oula, premier live TikTok depuis très longtemps. Très très longtemps. J'espère qu'on m'entend bien sur TikTok et puis voilà. Allez, c'est parti les gars. On reprend. Donc, je remonte là où j'en étais. Ah, voilà. Donc ça, est-ce que je leur ai parlé? Non, je leur ai pas parlé. Ils ont des CT, eux. Qu'est-ce qu'ils me vendent? PV+, protéines, fer, carbone, calcium, zinc... PP Max. En vrai, j'ai trop envie de booster Gardevoir. Non, je vais pas la booster pour le moment. Je vais pas booster Gardevoir pour le moment.
Ok. Alors, qu'est-ce que tu vends? Bandeau choix. Objet à tenir. Ce bandeau augmente l'attaque, mais ne permet d'utiliser qu'une seule capacité par combat. Non, mais ça coûte 49 000! Augmente la vitesse, augmente l'attaque. Non, mais ça coûte super cher! Ouais, mais à mon avis, ça augmente de fou, ça. Poudre claire, herbe blanche, bracelet. Ok, donc ça, c'est des objets à faire tenir. Je vais lire un peu les objets parce que là. Objet à tenir, une veste, augmenter la défense spéciale, mais empêche d'utiliser des attaques de statue. Ce Pokémon qui le tient subit une attaque, il s'enfuit pour être remplacé par un autre membre de l'équipe. Putain, c'est cheaté ça. Objet à tenir augmente la puissance des attaques mobilisantes telles que ligotage et étreinte. Si son porteur est touché par l'attaquant, ce dernier doit se retirer du combat. Oh, je suis une dinguerie ça. Merci Gwen, c'est gentil. Merci. D'ailleurs, je vais mettre en mode perf. Si ça veut bien. Voilà. Cet objet lui permet de flotter dans les airs. Il éclate en cas d'attaque. Cet objet inflige des dégâts à l'attaquant si ce dernier utilise une capacité physique qui atteint sa cible. Comment la défense et la défense spéciale d'un Pokémon pourront évoluer? Donc la puissance des capacités volant des PV. Putain, on va essayer de cheater. Restaure un peu à peu les PV des Pokémon de type poison. D'accord. Salut ourson, n'hésite pas à venir sur Twitch poulet. Réduit la vitesse, rend les porteurs de type vol ainsi que ceux en lévitation sensibles aux capacités. Mais ça sert à rien en fait. S'il a encore tous ses PV, le porteur pourra éviter d'être mis KO en un coup. Il ne conservera alors qu'un seul PV. Ça c'est cheaté, j'achète. Ça je prends. Comment il va, ourson? Une orbe bizarre brûlant son porteur durant le combat. Ouais, d'accord. Permet d'utiliser immédiatement une capacité qui devrait se charger au premier tour. Augmente la puissance des capacités mais dépense des PV à chaque coup. Une ceinture usée augmentant légèrement la puissance des Pokémon super efficaces. D'accord. Ça va, et toi, ça fait quoi? Bah écoute, je joue à Pokémon Steam, je sais pas si tu connais, c'est un fan game Pokémon. Un bandeau augmentant légèrement la puissance des capacités physiques. Restaure un peu les PV du porteur chaque fois qu'il inflige des dégâts. Permet de restaurer graduellement des PV du porteur durant le combat. Une lentille qui augmente le taux de critique du porteur. Waouh, ça c'est bien ça. Objet pouvant parfois empêcher d'être mis KO ne laissant qu'un seul PV. Permet au porteur de s'enfuir à coup sûr. Ça c'est un Pokémon sauvage. Peut apeurer l'ennemi lorsque le porteur lui inflige des dégâts. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Alors attends, je vais regarder mes Pokémon ce qu'ils ont là. Pokémon. Mon Maximus, je crois il tient pas d'objet. Il tient pas d'objet, je vais lui donner un objet, tiens. La ceinture force. S'il a encore tous ses PV, le porteur pourrait être mis KO à un coup. Il ne conservera alors qu'un seul de ses PV. Bah ouais, ceinture force, ça éviterait le one shot avec lui. Ça, c'est cheaté. Yo Maximus, ça va? Ensuite, je pense que lui, je sais ce que je vais acheter. Je vais acheter la Roche Royale. Carrément. Sac. La Roche Royale, je vais la donner à... Putain, elle est où ma Roche Royale? Ah là. Je la donne à Zumat. Comme ça, il permet d'attaquer et d'être tranquille.
Bon, après les autres, je sais pas trop quoi mettre pour le moment. Peau d'argenté, peau métal, sable. Ouh là là. Oh putain, mais il y a trop de choses à acheter, con. Il y en a trop de choses. Mais écoute, ça va, qu'est-ce que tu racontes de beau, Maximus? Tu devrais tester Ourson, c'est super bien, c'est sur ordinateur. Type sol, type roche, type plante, type ténèbres. Il est type quoi, putain, garde-voir? Je me rappelle plus. Combat électrique. Bah ouais, putain, mais c'est ça qu'il faut que j'achète en fait. C'est ça. Ah putain, ouais, let's go. Au mystique, ça j'achète. Type vol, poison, type glace, on s'en fout, type spectre, il est psy lui. Voilà, c'est cuir tordu qu'il lui faut. Ok, type feu, charbon. Ok, donc là quand je vais dans Pokémon Maximus, je vais lui donner la cuir tordue. Attends, je vais prendre. Là, je lui donne la cuillère tordue, du coup. Froussise, je lui donne... Je lui donne la ceinture... Ah, bah si, tiens. Je lui donnais la ceinture force. Il évitera de se faire one shot. Et lui, je vais lui donner... Je lui donne rien. Donner... Je lui donne le charbon. Mais non, c'est Froussise, en fait. Il faut que je donne l'eau mystique. Voilà, et lui... Lui, je lui donne la ceinture force. Bah normalement là je suis pas mal. En vrai je suis pas mal. On va rester comme ça pour le moment. Ok, il me reste deux objets et tout à donner. Mais vas-y, c'est bon. En vrai je suis pas mal du tout. Voyons voir. Là on y est bien, oui. Oui oui, là on y est bien. Là on y est bien de fou. Tu savais que défi des arènes se faisait dans un ordre précis. C'est pour ça que les challengers affrontent les champions les plus faibles au plus fort. Mais c'est quoi ça, le défi des arènes, la putain de ta mère là? Hein? J'aimerais bien voir le maître perdre un combat. Cela fait plus de 20 ans qu'il est invaincu, frérot, j'arrive. Il va se prendre une fessée cul nue, le maître. Ok, là y a rien. Je vais baisser un petit peu la luminosité des. Des lights. T'en es où là? Ça a avancé. Alors, j'ai 7 badges. Il m'en manque un. Il me manque juste un seul badge. Après, on va faire la ligue. Mais après, je sais pas comment ça se passe. Parce que il n'y a pas que la ligue. Il y a aussi la... les méchants là. Les méchants pas beaux. Mais je sais pas trop, parce que en fait la ville, j'ai l'impression qu'elle est immense. J'espère qu'une impression, elle est vraiment immense. T'as vu, le château au nord de la ville est énorme. En plus, dans ce château se trouve la dernière arène. Ah, voilà. Voilà, c'est au nord. Allons au nord. Voilà, c'est ça, c'est le château. Je peux pas entrer dans le château pour le moment. Ah! Ah mais oui, c'est vrai, il s'était passé un truc bizarre là, ici. Bon, au moins maintenant, je sais où est la reine. Non, je sais plus ce que je dois faire. Je crois qu'il fallait aller au sud ou à l'est. Ou enfin, ou au sud. Je sais plus. Bon, prenons la route 2. Bon, écoute-moi, frérot. Tu veux encore te battre? Non. Ok, donc là, on s'est battu. C'est par là qu'on arrive. Tazla. Donc là, moi, je suis arrivé par là. Les autres, je les ai battus. Donc tout au sud, qu'est-ce qu'il y a, par contre? Ça, c'est quoi? Police. D'accord. Ah, ils sont là, ces enculés, là. Putain de Team Rocket de mes couilles.
Voilà, c'est là qu'il fallait que j'aille, putain, en cherchant un peu. Vous êtes libre maintenant. Merci. On va pouvoir passer à la suite du plan. Vous croyez vraiment pouvoir nous échapper? Vous êtes en état d'arrestation. Bien sûr qu'on peut s'échapper. Mewtwo utilise téléporte. Mais il me casse les couilles là avec son Mewtwo de merde là. Comment ils ont réussi à s'échapper? Tu veux me dire quelque chose? Vous expliquez la situation au policier. Quoi? Tu dis que le président de la région serait le chef d'une bande de criminels qui veulent faire apparaître un Pokémon légendaire d'une puissance hors du commun pour un but inconnu? Merci Island pour le follow, bienvenue. Non, mais tu te rends compte de ce que tu dis, gamin? Le président nous a sauvés plusieurs fois de ces criminels et a empêché une guerre contre la région de Tamriel. Tu crois vraiment que je vais te croire? Autant de jouer chez tes parents, c'est pour dire des âneries pareilles. Maintenant, tu nous laisses travailler. Mais connard. Enculé, va. Mais FDP. Mais il est sérieux, lui? Moi, je vais le défoncer, tu vois. Il est trop bien, le garde-war, je te promets. Ok. Plénitude. J'ai obtenu plénitude, trop bien. Ok, bon, alors. Peut-être que... Bah non, attends. Je vais retourner au nord, au niveau de l'arène. Toujours fermé. Oh non, c'est ouvert, c'est bon. Bienvenue dans l'ancien château royal, devenu un château présidentiel d'Exodus. D'accord. Ok, je peux visiter que le rez-de-chaussée. D'accord. Ok. Tazla. Arène de Tazla, champion ZH. Adepte des Pokémon résistants. Mais frérot, tu vas rien résister. Genre, je vais t'attraper par le callback. Yo Alan, je suis sur Twitch. C'est pour ça que je réponds pas trop à TikTok. C'est un fan game. Te voilà, Bywin. Alors, la police va nous aider? Non seulement ils n'ont pas cru un mot à ton histoire, mais en plus, tous les criminels qui se sont fait arrêter se sont enfuis de la prison. On va goumer les forces de l'ordre, changement de programme. Je te promets, Maximo, je te promets, j'ai envie de les goumer, frère. J'ai envie de les choper par le callback, c'est une dinguerie. Ce n'est pas bon. Nous, de notre côté, nous n'avons pas trouvé d'endroit suspect. Il doit forcément y avoir un passage caché. Mais où? Moi, je le sais. Victor? Ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, mais ce n'est pas le moment de faire nos retrouvailles. Il y a effectivement un passage pour accéder au repère secret de la team Steam dans ce château. Mais où ça? Je vais vous montrer. Vas-y, malogueux. Et voilà. On se croirait vraiment dans genre un MMORPG, je sais pas trop comment expliquer, genre Castlevania ou un truc comme ça. On va pouvoir les arrêter. Attends maintenant. Attends une minute. Comment ça se fait que tu sais tout ça, toi? Maintenant que tu le dis, comment il peut savoir qu'il y a un téléporteur juste ici? Oh, Victor, c'est un connard. Il est parti sans dire un mot. Ça me paraît louche tout ça. Je parie qu'il fait partie de la team Steam. Ou alors pire, c'est le fils de l'autre enculé là. C'est possible, mais s'il est vraiment de notre ennemi, il ne nous aurait pas aidé. Ou alors peut-être qu'il s'est infiltré dans la team Steam. Bah voyons, moi je n'y crois pas. Bref, pour l'instant on ne se préoccupe pas de Victor. On doit à tout prix empêcher la team Steam d'accomplir leur but. Ouais, t'as raison. Allez, c'est parti. Le petit épée. Je savais qu'il y avait quelque chose de louche. C'est donc ici le vrai repère de la team Steam. Il y a 4 téléporteurs. On va tous se séparer pour être le plus rapide. Pas de temps à perdre. Mais les cons. Il reste 4 boutons à activer. Ok, j'ai 4 boutons à activer, les gars. Allez, c'est parti. Alors là, ça va être la bataille, là. Ça va être la guerre, là.
Le Zbeul. Un Kaorin. Je crois le Kaorin, je lui pète la gueule en plus. Vampy baiser, il me semble. Non, c'était pas Vampy baiser. Psycho, peut-être. Non plus. Ok, je l'esquive ton attaque de merde. Mais je vais faire double psycho, hein. Ça va fonctionner normalement. Ultra laser. Ok, super. Vampy baiser. Le Maximus, il va carry là, moi je vous le dis. Hop là, SpaceX va prendre bout de feu. Alors, le lanceur s'embrase avant de charger l'ennemi. Le choc blesse aussi gravement le lanceur. Peut brûler l'ennemi. 120, 100. Ouais, c'est pas ouf. C'est bien, mais c'est pas... C'est... Le problème, c'est que ouais, ça blesse. C'est bien et pas bien en même temps. Chorizo level up. Un Kaorin encore. Wesh! C'est quoi ce Kaorin? Il est pas shiny, non, il est spécial. C'est un Kaorin spécial. Je vais faire plénitude et ensuite je vais faire vampire baiser. Et je vais lui sucer son CPV à ce connard là. Tous ces PV là. Hop là, vampire baiser. Ouais, je pense que c'est un autre type. C'est cheaté. Vampire baiser, c'est très cheaté, voilà. Là, je suis bien. The Mat level up. Allez, c'est parti. On continue. Plus de terre veut dire plus de randonnée dans plus de lieux différents, mais ça vous ne pouvez pas comprendre. Mais qu'est-ce qu'il veut lui? Et qu'est-ce qu'il veut? Il est fou lui. Il est vraiment fou. Sbire, c'est magma, on voit un smogogo. Maximus, go! Le talent, l'évita. Ok, c'est parti. Ah oui, mais putain, mais lui, one shot, ce connard. Plénitude. Je crois lui, il va me faire un truc de Tarba, là. Non, ça va. Pour le moment, ça va. Et je vais faire full vampire baiser, je pense. C'est super. Et là, j'ai peur de me faire un critique. Vampire baiser. Ah, pas ouf. Pas ouf du tout, pas ouf du tout. Oh putain, en plus de ça, je suis empoisonné, connard. Connard de merde. Allez, un critique là, non? Ah. Non, il est mort. Maximus est mort. Maximus est mort. C'est pas grave. En vrai, vas-y, SpaceX. Putain, il a 200 PV, SpaceX. Pied brûleur. Allez dans ta gueule! Smogogo encore. T'aurais du psycho. Bah ouais, putain! Bah oui! Psycho, ça l'aurait one shot. Bon, heureusement, le SpaceX il va carry. Ok, parfait. 1800$. Sac. On va utiliser déjà les rappels. Merde, putain, c'est où le rappel? Rappel sur Maximus. Hyper potion sur Maximus. Voilà. Maximus n'amasse pas mousse. C'est quoi ce bordel là? Oh là. Oh là, frérot, je joue à Tetris là. C'est Tetris le bail. Kaorin. Allez, c'est bon. Ça part sur plénitude. Il a 4 Pokémon. Il a 4 Pokémon. Je fais full plénitude. Je vais faire 5 plénitudes, frérot. Et après, je one shot tout. Ça va full vampire baiser. C'est bizarre de dire ça comme ça. Ouais.
Allez, dernier plénitude. Je vais les sucer. Oh le con. Réel, réel, réel. Très réel, Maximus. Très réel. Salut Sabi sur TikTok, n'hésite pas à venir sur Twitch. Je suis désolé, je réponds pas trop sur TikTok. Je vais garder Vampire Baiser. Ah, remarque, j'aurais pu faire un dernier plénitude. Il envoie un Smogogo. Attends, frérot. Regarde le Smogogo, psycho. Dis-moi que c'est one shot. Allez, Smogogo, ça dégage. Maximus, level up. Nosferalto. Allez, Nosferalto, il va dégager, psycho. Voilà, one shot. Frosty's level up. Graiena. Je vais faire psycho et après vampire baiser si jamais ça. Oh, ouais, voilà. Ouais, il fallait que je fasse vampire baiser. Let's go. Graiena KO. Voilà, c'est parfait. Oh putain. Je dois refaire tout. Non, vas-y, c'est dingue. Merci King pour ton follow, bienvenue. Bienvenue à toi, comment ça va King? Ah mais c'est toi Sabi, Sabi de TikTok, bienvenue mon ref. Non là c'est une dinguerie frérot. Non là c'est une dinguerie frérot. Je dois refaire le truc à chaque fois là. C'est une dinguerie. Ça va Sabi? Je préchote de l'avant-dernier, ok. Vas-y frérot, t'abuses. T'abuses Maximus. Yo Alan, ça va? Putain, ça fait plaisir que tu viennes là. Comment ça se fait que t'as du temps frérot? C'est pas ça, c'est pas ça Maximus. Vas-y, c'est des bâtards. Y'a lequel que j'ai pas fait? J'ai fait les deux derniers, j'ai fait je crois le premier. Deuxième. Non, vas-y, c'est une dinguerie là. C'est une dinguerie, frérot. Quatrième. On l'a pas déjà fait le quatrième? Oh putain, c'était le quatrième. Sa grande tente à lui là. Ouais, c'est exceptionnel, je t'expliquerai. Tu veux pas le dire? Envoie-moi un message au pire sur WhatsApp, poulet. C'est Max de la Team Magma. On l'a déjà combattu dans le volcan. Vous semblez tous agir comme si mes objectifs étaient stupides. Pourtant, ils sont loin de l'être. Plus de terre signifie plus de place pour permettre l'épanouissement de la civilisation humaine. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Putain, allez, 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 accouche. On va te casser la gueule. Là. On va te casser la gueule. Ok frérot, ça va plénitude en puissance là. Là ça va plénitude en puissance. Ok, ok le Absol. Vas-y ça marche Alan. T'as vu je suis en Pokémon frérot. Je suis en Pokémon Alan. Ok let's go. Le Absol il carry. Là par contre je fais full plénitude. Bah le Absol il carry plus. Aïe aïe aïe, il carry plus le Absol. Surpuissance. Ça va, ça fait pas de dégâts. Ah et les Dell, tu te fous de ma gueule. Mais c'est une dinguerie par contre le Nostanfer là ce qu'il fait. Wow. Oh le Eledel il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié le Eledel. Smogo, vas-y le Smogo, psycho sur sa gueule. Dans cet enfer utilisera passe. Ah! Ah! Oh la dinguerie frère. The Mat va apprendre éclair fou. Ouh!
C'est quoi ça? Une charge électrique violente qui blesse aussi légèrement. Ouais, mais ça me blesse, frérot. Non, je prends pas, ça me blesse. Ça me blesse, frérot. Lance-flamme. Oh, la gueule du lance-flamme, par contre, l'animation était dégueulasse. Draco feu, d'accord. Camérupt, ok. On va faire vampire baiser, frérot. Je vais essayer de grappiller un petit peu les PV là. Oh putain, le Tellur Force là. Après ça va, il me reste pas mal de Pokémon. Hein. J'ai utilisé seulement un seul là. Ouah putain, le Maganon il KO. Deux garde-boire, tu fous ma gueule ou quoi? Vampi baiser, c'est mort. Bon, le Dracofeu, normalement, il tombe. Déflagration, c'est useless, sûrement. Ok, Dracofeu, tu tombes. Attaque de Maximus augmente. Bon, l'XP, c'est monstrueux. Vas-y, t'es un connard, toi. Vas-y, s'il te plaît. Fume le Camérupt, voilà. On a gagné! On a gagné 10 000 dollars en plus. Pourquoi je ne fais qu'essuyer des échecs? C'est pourtant moi qui suis dans le vrai. Dans tous les cas, vous ne pourrez pas nous arrêter. Notre plan ne peut pas échouer. Grâce à la toute-puissance de Koryos, un nouveau monde où les océans auront disparu émergera rien que pour moi. Personne ne pourra s'y opposer. Aucun Pokémon ne souffrira. Mon collègue Arthur va créer un monde aquatique de son côté. Ainsi, il existera deux mondes où les Pokémon terrestres et aquatiques pourront vivre entre eux dans l'harmonie la plus totale. Mais c'est ta gueule, putain, mais c'est déjà le cas. C'est une dinguerie, frère. Ok, le bouton, frérot. C'est ça, le bouton. Voulez-vous appuyer sur le bouton? Oui. Ok. J'ai fait en bas à droite. Maintenant, on va faire en haut à droite. Les gens, est-ce qu'il neige chez vous? Non, mais j'aimerais bien. Attends, mais j'ai mes Pokémon qui ont été soignés, non? Je crois que mes Pokémon ont été soignés. Il neige chez toi? C'est une dinguerie, frère. À Grenoble, il neige beaucoup ou quoi? Le rat attaque. Fais voir si je fais psycho là. Ouais, bah ça dégage. Froustis level up. Je vais refaire psycho. À moi Toulouse. Je connais des gens qui habitent à Toulouse. J'en connais un petit peu. Allez, le premier dresseur, c'est bon, c'est passé. Je pense en vrai de vrai, mon prochain objectif, une fois que j'aurai acheté le micro-cravate, là, le bon micro-cravate pour mes vidéos, je pense que je vais m'acheter des écouteurs pour stream, j'en ai trop marre du casque. Ça me casse les couilles. Ça fera le tour. Oh, le one shot, putain. Oh, Maximus 65. Le casque avec une... Bah ouais, mais ça me fait mal au crâne. C'est une dinguerie, Maximus. La ratatac, je le one shot. Je le one shot avec Psycho. Ça fait mal au crâne. Avant, j'avais pas mal au crâne comme ça. SpaceX level up. Vas-y, ils vont me troller, je le sens. Je le sens, on va y avoir un troll comme tout à l'heure. Allez, vas-y, viens là, toi. Que je te casse la gueule. Je crois qu'il va y avoir 4 connards à battre. Une fois qu'on aura battu les 4 connards, on va battre le super connard. Et je pense que le super connard, en fait, c'est le champion de l'arène. Qui va nous donner le badge. Je sais pas pourquoi je le sens. Mais mon casque est ultra confort en soi, Maximus, tu vois.
Mais juste, je sais pas. Ça va, moi je supporte les casques en général. Chorizo va apprendre fulmère, c'est ça? Fulmifère, pardon. Le lanceur attaque le dernier ennemi l'ayant blessé durant le même tour en frappant plus fort. Non. Ouais, fumifère, c'est bizarre. Un match chopper. Est-ce que le match chopper, je peux lui sucer le sang ou pas? Wow. C'est parfait. J'ai pouvoir lunaire aussi. Faut que j'y pense, ce match level up. Un Arbok. Je vais tester pouvoir lunaire, tiens. C'est pas mal. Mais c'est pas très efficace sur le Arbok. C'est pas mal, mais c'est pas... Hein? D'accord. Pourquoi ça met du temps? Comment ça, Maximus? Le deuxième connard! C'est lui, Giovanni, le sale criminel? Bywin, je me rappelle très bien de toi. Tu m'as vaincu dans mon laboratoire. En tant que compétiteur né, je n'ai jamais pu digérer cette défaite. Pour te battre, j'ai créé une équipe dédiée à ma victoire. Malheureusement pour vous, vous n'irez pas plus loin. Mais je vais lui péter la gueule! Encore un. Wesh, qu'est-ce qu'il envoie là, frérot? Ah, mais j'ai oublié de soigner, putain! J'ai oublié de soigner. C'est lunaire le scénario un peu. Mais en fait, si tu veux, c'est genre toutes les teams qui se sont alliées pour faire venir Arceus. Parce que Arceus attire son opposé. Et eux, ils veulent capturer l'opposé d'Arceus. Mais le scénario est vraiment grave bien. Tu vois là, si je fais vampire baiser sur Trio Beaker. Non, tu fous ma gueule, il a esquivé l'attaque, cet enculé là. Oh non, c'est bon, Nido King, coup critique. Oh, let's go! Laser glace. Mais arrête! Putain, mais je vais te fumer le Nido King de mes couilles là. Vampi baiser là sur. Ah, sur Rhinastorm, il faut voir s'il te plaît. Mais non, mais arrête de piquer mes Pokémon! Il bute les Pokémon sur lesquels je veux le sucer le sang là. Bon, moi je suis full life, mais bon. Ah, mais je suis plus du tout full. Ah, ouais, alors là, frérot. Plénitude! Là, ça va full plénitude, frérot. Full plénitude. Non, là, faut que je suce le sang, là. Sur Mewtwo. Mais frérot, mais one shot tout! Voilà, Mewtwo, tu dégages. Prestige level up, Tellurie Force. Ah! Ah! Putain, mais il envoie combien de Pokémon, cet enculé là? Comment ça, j'ai la trouille? Tu te fous de moi là? Non mais c'est une blague! J'ai pas pu attaquer! Nidoqueen. Vas-y, je pense PSX. Je vais décaler, je vais faire un manger. Vas-y, bon app. Efficace, vas-y. Nidoking, il dégage. Vas-y, ciao Alan, la bise. Spécifique level up. Comment ça, il est gravement empoisonné?
Tu fous de ma gueule ou quoi? Je vais lui cramer sa gueule là au Nidoqueen. Hop là! Allez, je te crame la gueule. Voilà. Coup de savate dans ta gueule. Fantastique. La génération actuelle est bien plus forte que la mienne. C'est incontestable. Malheureusement, le talent en combat ne fait pas tout. Il y a dans ce monde des êtres bien plus cruels que vous ne pouvez l'imaginer. Le président Zash m'a tendu la main. Je n'ai pas pu m'empêcher de reconstruire cette organisation. Mais je m'en fiche complètement de lui. Ce n'est pas ce président battu qui va dicter ce que je dois faire. Une fois Corios possédé, moi et ma team Rocket retournerons au sommet. En tant que parrain, je me dois de saluer les jeunes prometteurs. Pour ouvrir la porte centrale, il suffit d'appuyer sur le bouton derrière moi. Oui, bon, là, blablabla. Mais ça devrait ouvrir la porte centrale. Ok, il reste deux boutons à activer, les gars. Ouais, je bats les boss de chaque team. Mais je pense que je vais sauvegarder là parce que j'ai trop mal au crâne. Je suis vraiment désolé, j'ai vraiment... Genre, c'est un truc de fou là. J'ai le crâne, il est en compote. J'ai trop envie de continuer, mais genre, ça me fait trop mal au crâne. Attends, je vérifie que j'ai bien sauvegardé. Ouais, c'est bon, j'ai bien sauvegardé. Je suis vraiment désolé. J'ai trop envie de continuer de jouer. Mais j'ai mal au crâne de fou. De toute façon, je reviens demain. Je reviens demain. Demain, fin d'après-midi, je live. Et demain soir, Fall Guys et je me rase la moustache. On va faire ça pour demain. Allez les gars, je vais vous souhaiter une très 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 bonne soirée. Merci à vous d'avoir regardé le live. Merci d'avoir suivi, ça fait très plaisir. Ça m'a fait plaisir de restream. Ça faisait une semaine que j'avais pas stream parce que je suis parti en week-end. Mais c'était grave cool. Merci à vous. Merci beaucoup. Et on se retrouve demain. Demain, fin d'après-midi et demain soir. Bisous bisous. Je suis désolé, je quitte en mode... J'ai trop mal au crâne. J'enlève même mon casque tellement j'ai mal au crâne. Putain, ça fait trop du bien. Allez, la bise tout le monde, ciao, ciao. Je vais mettre un petit peu de musique, non? De la musique. Et un petit battle royale. Allez, un petit battle royale pour finir.